Oh, j'y crois pas, la soucoupe volante, elle entrée, mais pas moi! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Brookhaven. Et les amis, on va parler des autres petits secrets qu'il y a eu lors de cette mise à jour de Halloween, en plus, bien sûr, de la chasse aux bonbons. Alors, sur ma chaîne, je vous ai fait les chasses faciles et médium. Et je crois que j'ai même fait la difficile. Oui, c'est ça, j'ai fait la facile, la médium et la difficile. Et je n'ai pas encore fait la chasse extrême et insane. Mais les amis, je pense qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de vidéos sur YouTube sur ces deux chasses. Donc, je pense que vous avez probablement dû les faire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'essaierai de vous faire la vidéo pour ce week-end, les amis. Donc voilà, j'attends vos réponses en commentaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je voulais juste vous prévenir parce que je sais que vous attendez cet événement depuis longtemps, depuis très longtemps. Je voulais vous prévenir que la vidéo de ma face reveal sera lancée demain, samedi 26 octobre à 11h. Ce sera une première. Alors, ce n'est pas un live, les amis. C'est une vidéo que l'on va regarder tous ensemble en première, je pourrai discuter avec vous dans le chat. Donc voilà, si vous voulez être présent, n'hésitez pas les amis. Donc je le répète, demain samedi 26 octobre à 11h, la vidéo est déjà programmée sur ma chaîne. Vous pouvez tout simplement aller sur la vidéo en question et cliquer sur m'avertir, comme ça vous aurez l'avertissement pour le moment où la vidéo sera lancée. Donc voilà pour ce moment qui est important pour moi les amis et qui nous permet de célébrer ensemble le million d'abonnés. J'avais promis que je montrerai mon visage pour le million d'abonnés en vidéo, oui, parce que j'ai effectivement déjà montré des photos de moi, mais là ce sera une petite vidéo, une très courte vidéo dans laquelle je parlerai. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Du coup les amis, cela étant dit, on va passer au vif du sujet et on va commencer par s'intéresser à la nouvelle maison que l'on a eue lors de cette mise à jour de Halloween. Je vais tout de suite l'installer juste ici, elle est à la fin de la liste quelque part par là, oui c'est celle-ci, la fameuse maison pour chevaux. Oui, c'est une maison spécialement dédiée aux chevaux, ce sont les stars par ici. Donc on voit bien sûr qu'il y a où est-ce que je suis tombée? Ah mais oui, il y a une sorte de petite piscine ici et je me suis lancée dedans les amis sans même y prêter attention. Donc on a un petit enclos ici, je vous l'avais montré hein, bien sûr. On peut mettre son petit cheval là et on a également un enclos, enfin une petite étable plus précisément de ce côté là où on peut mettre notre cheval. Attendez, j'ai encore plongé dans l'eau les amis. Je ne sais pas, je ne m'attends pas à trouver une petite piscine ici à l'entrée de la maison. On va sortir notre petit cheval par ici et voilà, il est noir le mien parce que les amis, sachez que vous pouvez changer la couleur de votre cheval, vous pouvez même choisir des motifs, on peut même avoir un cheval à fleurs les amis, regardez ça, trop mignon, on va le faire blanc à fleurs, voilà, attendez, pourquoi est-ce qu'il n'est pas blanc? Comment est-ce que je fais pour avoir le cheval blanc déjà? Ah voilà, c'était là, la couleur, je ne m'en souvenais plus les amis, et les motifs sont par là, voilà, je le voulais blanc à petites fleurs, il est parfait mon cheval, allez viens, on va te mettre par là, ici, ce sera parfait, hop, on va ouvrir ça et on va le mettre à l'intérieur, comme ça il pourra manger un petit peu de foin et voilà qui est fait, on va refermer tout ça pour qu'il soit en sécurité, mon petit cheval adorable, ça c'est fait. Du coup les amis, la maison spécialement dédiée aux chevaux, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai fait visiter dans ma précédente vidéo, je la trouve hyper cute, hyper mignonne, il y a tout le nécessaire, elle n'est pas immense, hein, mais comme ce sont les animaux, les stars ici, eh bien c'est largement suffisant. En revanche les amis, ce que je n'avais pas eu le temps de faire dans ma précédente vidéo, c'était aller à la recherche du coffre-fort. J'étais beaucoup trop concentrée sur la chasse aux bonbons, mais vous avez été très nombreux à m'écrire en commentaire qu'il y avait bien un coffre-fort dans cette maison, et vous m'avez même dit où il était les amis. Du coup, je n'ai même pas eu à chercher, un immense merci à tous, à tous mes enquêteurs et mes enquêtrices, vous êtes les bestes des bestes. Donc on va y aller, et c'est juste par ici en fait, il suffit d'aller au niveau de la dernière petite cabine juste ici, et là vous allez voir du foin. Donc il suffit d'aller vers le foin et là on tombe dans la pièce dédiée au coffre-fort. Oh my god, c'est franchement, c'est hyper facile de le trouver celui-ci les amis. Donc voilà, hyper easy pour cambrioler ce genre de maison. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, si j'ai le temps dans cette vidéo les amis, je tenterai de le faire à l'ancienne. Je ne sais pas si vous en souvenez les amis, mais c'était mon activité préférée à un moment donné. Bien sûr, en plus de l'enquête sur Monsieur Brookhaven, sur le mystère de Brookhaven, etc. Ça, par contre, ça ne changera jamais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué les amis, mais il y a des décos de Halloween de partout, hein, de partout sur la map. Regardez, même le tableau tout au fond est aux couleurs de Halloween et avec la pleine lune, ça fait beaucoup trop flipper. Bon, en tout cas les amis, tout est décoré, même la végétation est sur le thème de l'automne, on a les petits panneaux, etc. Mais ce n'est pas tout, dans notre sac à dos, il y a quelque chose de nouveau les amis. Comme
chaque année pour Halloween, eh bien, on a notre petit sac pour aller récolter des bonbons, pour faire le tour des quartiers résidentiels et toquer aux portes et demander des bonbons. D'ailleurs, je vais tout de suite essayer, les amis. On va voir si ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde ici. À part dans le North Estate, j'espère vraiment qu'ils vont être sympas. Alors, on va y aller, les amis, doucement, mais sûrement. J'espère qu'ils vont accepter de me donner des petits bonbons. Alors, déjà, la porte est fermée. Où est la sonnerie? C'est par là. Alors, pourquoi est-ce que personne ne vient m'ouvrir la porte ici? Attendez, est-ce que c'est là la sonnerie? Oui, je pense que c'est là. On va sonner plusieurs fois. Oh my god, les amis, il y a quelqu'un. Ça y est, ils m'ont entendu. Je voudrais juste des bonbons, s'il vous plaît, ou des petits chocolats. Et de préférence, pas périmés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, monsieur. Ah non, c'est monsieur. Oh, il a 4 ans à peine. Je ne pense pas que lui pourra me donner des bonbons. Il a fermé tous les volets. Ça y est, sa maman est là. Elle s'appelle Seria. Jette la nourriture dans la poubelle? Mais non, pourquoi est-ce qu'il veut jeter dans la poubelle? Lis, les gars, ça veut dire quoi, ça? Oh non, c'est pas possible. Oh non, j'y crois pas. Ils m'ont ban et en plus, je suis bloquée et je ne sais où. Regardez ça, les amis. C'était obligé, il fallait que ça arrive. Pourtant, j'étais allée gentiment demander des bonbons. Ma seule exigence est qu'ils n'étaient pas périmés, c'est tout. Franchement, les amis, je ne trouve pas que j'ai eu des demandes exceptionnelles. Bon, en tout cas, ça n'a pas marché pour cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave, je réessayerai et j'espère que je trouverai des gens assez sympas pour me donner quelques bonbons à mettre dans mon nouveau sac à bonbons. Bon, les amis, du coup, étant donné que je suis juste à côté du commissariat, je voulais vous montrer l'une des nouveautés de cette mise à jour qu'il y a également chaque année et qui passe très souvent inaperçue. Il s'agit bien sûr de l'OVNI qui a remplacé l'hélicoptère au niveau du toit de la police. Je l'avais utilisé dans ma précédente vidéo, donc voilà, regardez ça, il est trop cool. Si certains d'entre vous veulent faire des roleplay avec des extraterrestres, etc., des ovnis qui débarquent sur Terre, eh bien je pense que c'est le moment, les amis, parce que ce véhicule, eh bien on ne l'a dans Brookhaven que pendant Halloween et ensuite il faut attendre le Halloween suivant, l'année prochaine, pour le retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est le moment ou jamais pour en profiter. Donc n'hésitez pas, il est vraiment hyper, hyper bien fait. Attendez, je vais essayer de retrouver la maison où ils n'ont pas voulu me... Et si je me posais sur leur toit? Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça, les amis? Et si on allait voir la fameuse maison de laquelle j'ai été ban? On va essayer de se poser sur le toit rouge de la maison d'où j'ai été bannie. On va essayer, les amis. Je ne sais pas si je vais réussir à me poser, mais on verra bien leur réaction. Je vais essayer de me mettre du côté de la piscine. Et comme ça, au moins, il y a plus de chances pour qu'ils me voient. Est-ce que j'y suis là? Oui, on va s'arrêter ici. Et on va, du coup, se poser lentement, mais sûrement au-dessus de cette immense maison. Regardez ça, les amis. Je pense que c'est bon. Je devrais atterrir juste au-dessus. Je ne sais pas s'ils vont me voir parce que je pense qu'ils sont enfermés à la maison. Il fait nuit, etc. Peut-être même qu'ils dorment. Mais en tout cas, les amis, franchement, elle est trop trop bien, cette soucoupe volante. J'aimerais trop qu'elle soit disponible dans le jeu pendant plus longtemps que juste la période de Halloween. Mais... what? J'ai eu peur. Les amis, pendant une seconde, j'ai cru que je pouvais rentrer dans la maison de laquelle j'ai été ban grâce à cette soucoupe volante. Mais c'était trop beau pour être vrai. En fait, il y a la base qui rentre à l'intérieur et la partie supérieure qui ne rentre pas. Les amis, à votre avis, est-ce que si je saute de la soucoupe volante, je suis dans la maison ou pas? Ce serait beaucoup trop bien. Bon, allez, on va le tenter. Oh, j'y crois pas, la soucoupe volante, elle rentrée, mais pas moi! J'y crois pas! Oh non, c'est beaucoup trop frustrant. C'est beaucoup trop frustrant. Les amis, du coup, regardez ça, elle est en train de courir. Une soucoupe volante s'est retrouvée comme par magie. Elle est tombée du ciel et elle se retrouve à côté de sa maison. Oh my god, à mon avis, ils sont choqués. Oh my god, j'y crois pas. Non mais c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et du coup, je peux sortir, je pense, un véhicule, n'importe quel véhicule ici. Bon, si je sors le véhicule, la soucoupe volante va disparaître. Je veux juste voir s'ils vont ressortir de leur maison pour aller voir pourquoi est-ce que la soucoupe volante est là. Mais les amis, je pense qu'ils ont beaucoup trop peur, ils n'osent même pas sortir. Je ne vois personne sortir. Bon, ok, je veux juste tenter quelque chose. Je veux voir si je peux circuler ici. Oui, les amis, je peux circuler facilement sur le toit rouge, mais je ne peux pas rentrer. Dites-moi, les amis, si vous connaissez des moyens maintenant, des moyens qui fonctionnent en 2024 pour rentrer dans une maison de laquelle on a été ban à l'époque, au tout début où j'avais commencé à jouer à Brookhaven. J'avais trouvé plusieurs manières de rentrer à travers ce mur rouge, mais maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne, les amis. Tout a été patché, c'est trop dommage. Attendez, est-ce que je peux spawn? Qu'est-ce que je peux spawn par ici? Je peux spawn un autobus ou pas? On va retirer ça. Oui, je peux... Oh my god! Les amis, tout ce que je spawn ici tombe dans la maison. Oh my god, je viens de découvrir ça. C'est beaucoup trop cool. Attendez, on va respawn le bus. Il tombe... Oh! Ils se retrouvent avec un bus dans leur piscine.
Ah non, mais c'est trop cool. Je pense que je referai ça, les amis. Troller comme ça à l'ancienne, c'est beaucoup trop bien. Non, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je viens de découvrir ça, les amis. Ah non, mais je vais m'amuser, c'est sûr et certain. J'irai sur les toits des maisons qui m'ont ban en hélicoptère lorsqu'il n'y aura plus la soucoupe volante. Et je n'arrêterai pas de faire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire tomber d'autre? Attendez, je regarde rapidement. Ah, les véhicules d'Halloween, est-ce qu'ils tombent ou pas? Oui. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je suis la pire, les amis, regardez ça. Oh my god, j'y crois pas. Bon, je pense que je vais les laisser tranquilles, les amis. Je les ai assez trollés, mais une chose est certaine, c'est que je ne m'arrêterai pas là. Je pense que je vais faire des vidéos entières à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo rapide dans Brookhaven vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye les amis. Il faut absolument que je recommence. Qu'est-ce que je peux faire tomber par ici? Quel autre véhicule je pourrais bien faire tomber? Je ne peux pas spawn les bateaux, c'est trop dommage. Mais le camion, est-ce que le camion aussi? Oh my god, c'est beaucoup trop drôle!